Alors, Alizée, qu'est-ce qui se passe le 17 octobre ? C'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Et pour toi, c'est quoi cette journée mondiale de lutte contre la pauvreté ? C'est une manifestation pour faire changer les décisions prises par les politiques et les plus gradés. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi ? Pourquoi est-ce que les gens vont se réunir le 17 octobre en disant « Agissez, sinon ça va exploser ». Pour quelles raisons ? Ben, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les plus riches, qu'ils rejettent souvent les SDF. Et il y en a qui, maintenant, devront choisir entre payer leurs factures, se nourrir, se loger ou même manger chaud. Et il y en a d'autres qui devront choisir entre payer les frais scolaires de leurs enfants ou de payer leurs factures. Ce sera toujours des choix et des choix et des choix. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça ? Non, vu que c'est bien d'augmenter le prix de l'eau, de l'électricité, mais il faudrait augmenter aussi les salaires pour ça. Oui, c'est ça. Si ça monte, ça monte, ça monte, on ne sait rien payer. Non. Ouais. Et tout le monde va se retrouver à la rue et il n'y aura plus personne qui sera payé. Et toi, tu seras là le 17 octobre ? Oui, je suis là. Voilà. Donc, Alizée sera avec nous le 17 octobre, avec tous les militants là, qu'on voit autour de nous qui sont en train de s'activer pour préparer une journée qui va être dynamique, mais aussi musclée, parce que vous l'avez entendu, le 17 octobre cette année à Namur, c'est le slogan de départ, c'est « Agissons avant l'explosion ». Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de colère chez les gens. Mm-hmm. Les gens ne sont plus satisfaits de leurs conditions de vie, c'est trop difficile. Et donc on va se rassembler très nombreux, il y a des ateliers, il y a des temps de rassemblement, il y a des spectacles suivis d'un débat, etc. Et puis à 13h surtout, rejoignez-nous, vous voyez, on en bafouille tellement, on est stimulé par l'action, venez nous rejoindre. Devant la gare à Jambes, c'est pas très loin, on y arrive très rapidement en train en partant de Namur, on y arrive très rapidement si on a un bon pas, si on sait marcher en partant du centre de Namur, pour la grande manifestation où on dira aux autorités politiques ce que Alizée vient de nous dire à sa façon. Mmh. On leur dira, on n'en veut plus de tout ça. On veut que les gens aient un logement décent, qu'ils soient isolés, on veut que les gens aient des revenus décents, on ne veut plus de leur sparadrap, on veut autre chose pour la vie de demain. Mmh. Pour une vie juste. Redis-le plus fort. Une vie juste. Voilà, une vie juste. On se battra pour ce qui est juste. Mm-hmm. Lundi 17 octobre, tous à Namur, rejoignez-nous à la manif. Faites des panneaux, comme on en fait ici. Ouais, des panneaux, ce que vous voulez, soyez là. Soyez là, voilà. C'est le rendez-vous qu'Alizée nous donne avec l'ensemble des militants qui sont dans la pièce aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui, ils étaient là hier, ils seront encore là demain pour que cette journée soit une journée qui va péter des flammes. À lundi au 17 octobre. À lundi, et venez tous.